Moi, c'est Ndomba Hildebert. Je reste ici. Pour cette année, je reste ici au lycée naturel de Ndomba. Mais j'étais au PK 27 à cause de la distance. Le Seigneur m'a permis d'être ici, voilà, pour passer le bac ici au lycée. Période de scolarisation dans le lycée. À quel moment tu es arrivé? Je suis arrivé au lycée national de Ndomba en 2011 et 2012. Je suis ici depuis la 6e. Si chrétien, comment s'est déroulée ta conversion? Était-ce au sein de l'établissement ou ailleurs? J'accepte le Seigneur après j'ai tombé malade. Le Seigneur m'a guéri d'une maladie. Est-ce que tu peux reprendre ça? Si chrétien, comment s'est déroulée la conversion? Était-ce au sein de l'établissement ou ailleurs? J'accepte le Seigneur en fin 2016. Comment je l'ai accepté? Je l'ai accepté après j'ai tombé malade. Et lorsque j'étais malade en 2016, j'étais en classe de 3e. J'avais la tuberculose. C'est après que nous avons découvert que c'était la tuberculose. Lorsque j'étais ici, au CS, j'ai commencé à avoir des maux au niveau des poumons. Après... Vas-y. Excusez-moi, tu peux reprendre, s'il te plaît. Ok. On recommence. Oui, non, si, la question. Si chrétien, comment s'est déroulée la conversion? Était-ce au sein de l'établissement ou ailleurs? J'ai accepté le Seigneur en fin 2016. Je l'ai accepté pendant les vacances entre novembre et septembre et octobre. Et je l'ai accepté parce que le Seigneur déjà dit que le Seigneur nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Et lorsque j'étais dans le monde, j'étais un bon fumeur. Je buvais des stupéfiants. Et quelque part, j'ai touché à l'homosexualité. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et dans cette période, je buvais beaucoup l'alcool. J'allais dans les bars pour danser et tout. Et dans le monde, on m'avait donné un nom. On m'appelait Arafat et tout ça. Et le Seigneur, dans son amour, dans cette phase de folie, dans cette phase de vie où j'étais livré à moi-même, je suis tombé malade à cause de cette vie-là. J'ai eu la tuberculose. Et lorsque la situation s'aggravait, je suis parti, j'ai voyagé de manière urgente. Le Seigneur a permis que je descende vers chez papa pour que je puisse entrer en phase d'examen. Et lorsque nous partions faire des examens, souvent lorsqu'on arrivait chez les radiologues pour faire des radios, parfois on disait que il n'y a rien, je n'ai pas de maladie, bien que me regardant moi-même, ça n'allait pas parce que j'avais tellement maigri, j'avais vraiment perdu. Et au-delà de moi-même, dans cette période, j'étais convaincu que je devais perdre la vie. Parce que c'était vraiment compliqué. Je me rappelle qu'un soir, j'avais écrit un message à une connaissance que bientôt je vais mourir. Parce que je sentais vraiment cette pression-là. Et en voyant cela, mon père me conduisait chez les médecins. J'avais deux médecins qui me suivaient. Et il y a un qui avait déjà établi un diagnostic, qui avait dit que si une semaine arrivait que je ne prenais pas les médicaments, je devais mourir. Et chez l'autre médecin, on me disait d'attendre une semaine. Donc il y avait comme une confusion. Et un soir, aux environs de midi comme ça, aux environs de midi, j'étais assis avec mon père. On était en train de prendre un repas. Le Seigneur, vraiment dans son amour, va susciter une femme qui va venir nous trouver en train de manger. Elle va demander à mon père, mais est-ce que c'est ton fils? Mon père a dit, oui, c'est moi qui suis son père. Et la femme, comme elle travaillait à l'hôpital, elle a dit non, je peux trouver des médicaments. Comme ça, il va commencer à suivre le traitement. Et là, nous sommes partis. Le Seigneur a fait grâce. Elle m'a donné des médicaments pour commencer le traitement. Et on a commencé le traitement, mais ça n'allait pas toujours. Parce que mon aspect était vraiment compliqué. Et là, mon père va contacter un prêtre exorciste pour faire des bains et toutes ces choses. On faisait des bains, on priait.
voilà, avec les bougies chaque soir et tout ça. Et voilà, on faisait des bougies, des bains, je buvais des médicaments avec l'eau bénite, en grippe, l'eau bénite, voilà, on met un peu de sel et tout ça. Voilà, pensant que cela pouvait m'aider, voilà, à guérir. Et lorsque les vacances sont terminées, je suis revenu sur Libreville, et j'ai constaté que, voilà, j'ai commencé à avoir ce mal que j'avais, ce mal des poumons, voilà, je ne respirais pas bien. Et là, pendant cette phase aussi, j'aimerais vraiment parler de ça. Et c'est une phase au Gabon où on traversait un moment difficile en 2016, le temps des émeutes. Et les médicaments que nous consommions venaient de la Chine. Voilà, à cause de toutes ces choses, voilà, les médicaments n'arrivaient pas. Et là, mon traitement avait pris un coup. Donc du coup, voilà, je ne buvais plus de médicaments. Et lorsque ce traitement, c'est un traitement que l'on suit à la lettre. Si on fait un jour sans prendre les médicaments, nous serons, voilà, obligés de recommencer à zéro. C'est un traitement qui dure pratiquement 6 mois, mais avec 2 mois de supplémentaire. Donc, ça fait 8 mois. Donc, voilà, mon traitement était basculé. J'étais déjà, voilà, j'avais déjà, on peut dire, voilà, détruit. Mais il fallait que je reparte faire des examens. Et c'est là où, pour moi, j'ai vu la gloire du Seigneur, la puissance, la guérison de Yahushua. Comment le Seigneur guérit. Et là, voilà, on va commencer l'école, on va commencer les cours en octobre 2016. Et avant de commencer les cours, pendant cette période de maladie, le Seigneur va permettre que je puisse vivre un temps bizarre, si je peux le dire ainsi. Un temps où je ne saisissais plus le monde. Ce que je pouvais être là au milieu des personnes, mais je ne ressentais plus tout ce qui était autour de moi. Mais tellement ça m'effrayait moi-même. Un jour, je me suis décidé, voilà, de descendre au PK12. Parce que voilà, j'étais au PK12. Comme c'est un quartier un peu mouvementé, je suis descendu au carrefour. Lorsque j'arrive au carrefour, voilà, au milieu de la musique, voilà, je ne saisissais plus rien. Et là, je vais faire une prière. Je vais demander au Seigneur, Seigneur, envoie-moi une personne qui me parlera de ce que je suis en train de vivre. Et le Mashiach, dans son amour, va dépêcher un frère qui, par la grâce du Seigneur, je ne savais pas, mais il est prof ici au lycée national Léomba, qui va venir à la maison peut-être 2 jours après, comme ça. Il va arriver, il va m'annoncer l'évangile, mais quelque chose va me marquer. Vraiment, c'est vraiment l'amour du Seigneur. Vraiment l'amour du Seigneur, au-delà des fautes que j'ai pu commettre, au-delà on peut parler de l'abomination que j'ai pu commettre, mais le Seigneur m'aime. Vraiment, le Seigneur m'aime. Et cet homme m'a annoncé l'évangile et j'étais tellement pressé d'accepter le Seigneur parce que je savais que le Seigneur m'avait exaucé. Vraiment, c'est la grâce. Et là, lorsque je suis parti en assemblée, c'est que le premier jour, je me suis trompé des assemblées. Je suis parti et lorsque je suis arrivé, quelques temps après, dans cette assemblée, j'étais en train de faire un jeûne de 21 jours. Et le thème du jeûne, voilà, j'ai vraiment gardé ce thème. Le thème disait « Ose et tu verras la gloire d'Elohim dans ta vie ». Et regardant ma situation, il fallait que j'ose. Parce que j'étais arrivé à une étape où j'étais déjà à un stade où je prenais 8 comprimés par jour. Et je disais au Seigneur, Seigneur, moi je ne veux pas être esclave des médicaments. Et là, je vais oser faire le jeûne. Je prenais mes médicaments avec un petit bout de pain. Voilà, je prends mes médicaments, petit bout de pain. Je coupais le jeûne le soir. Mais avant que le jeûne termine, j'étais convaincu que le Seigneur m'avait guéri. Et là, le Seigneur va permettre que l'on puisse faire, voilà, refaire des examens. On va refaire des examens et tout. Le Seigneur va disposer des médecins, il va toucher le cœur du médecin qui va, voilà, payer les examens, les examens qui coûtaient cher. Le médecin va se déplacer pour moi. Et vraiment, le Seigneur a étendu sa main. Lorsque le médecin est parti refaire, voilà, tous les examens qu'il fallait. Et lorsque je suis reparti pour prendre les résultats, je suis rentré dans le bureau, j'étais vraiment
J'avais vraiment cette conviction que le Seigneur m'avait guéri. Et lorsque je suis rentré, le médecin, il s'est levé comme, voilà, comme tous les médecins le font souvent. Il s'est levé, il est parti dans les archives. Il m'a dit, c'est toi, au nom de Dieu. J'ai dit, oui, je suis rentré. Il m'a dit, voilà, on a fait les tests et on a constaté que, voilà, tu n'as plus de maladie, tu n'as plus de microbes, voilà. Tu n'es plus malade, la maladie a disparu. Et moi, avant de sortir de ce bureau, j'ai dit au médecin que, voilà, je suis chrétien. Et quelque part, je crois qu'il a été choqué. Il a été choqué. Voilà. Et j'étais dans cette phase. Et après être guéri, j'étais dans cette phase où il fallait renoncer. Parce que je me rappelle, j'arrive à l'école, je fais une rencontre avec un ami en 2016, qui s'appelle Van. À peine j'arrive, je le rencontre et je fais part à Van que voilà, on m'a annoncé l'évangile et il faut que je laisse la danse et tout ça. Est-ce que ce sera possible? Bon, comme lui aussi c'était un danseur, on disait non, c'est pas possible de laisser toutes ces choses. Mais juste dire que vraiment la conversion est quelque chose de, s'il faut vraiment abuser le langage, c'est quelque chose de très spirituel. C'est que les hommes peuvent nous dire des choses, mais c'est pas au travers des paroles des hommes que l'on change. Il faut que le maître lui-même y parle. Il faut qu'une parole vienne tout droit du trône de la grâce afin que nous puissions changer. Oui, la Bible est claire. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et voilà, je dis ça à ce frère que de moi-même, ce n'est pas possible que je laisse toutes ces choses. Ce n'est pas possible que je renonce à l'amour de la musique mondaine. Ce n'était pas possible. Et le frère, mon ami, voilà, il m'encourageait, il me disait, oui, non, on va danser et tout. Mais, voilà, j'étais là, toujours en train de danser, écouter mes sons du monde. Et là, un soir, je vais rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Et là, je vais commencer à avoir un dégoût terrible. Je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne sais pas par où, ou comment, ou vraiment comment le Seigneur a fait cette chose-là. C'est magnifique. Et lorsque je vais écouter les mêmes musiques que j'aimais, vraiment ça va commencer à m'irriter. C'est que la musique qui me faisait danser auparavant, mais lorsque j'écoutais ça, j'étais tellement irrité et vraiment le dégoût du péché est rentré. Je commençais à détester toutes ces choses. Et là, je vais me séparer. Vraiment, le Seigneur va... La Bible est claire que lorsque le Seigneur nous transforme, notre vie impacte notre entourage. C'est que si la personne avec qui nous marchons, voilà, ne veut pas accepter le maître, soit il accepte, soit il se détache de nous. Et là, le frère, mon ami Van, il va se détacher de moi. Voilà, par la grâce du Seigneur, je veux commencer, voilà. Voilà, un feu terrible va s'allumer dans mon cœur et tout. Et là, je vais faire la rencontre d'un frère qui me parlait du Seigneur Machia, voilà, en troisième. Mais voilà, j'essayais de mes profs, ça n'allait pas. Et lorsque je lui ai dit que frère, j'ai accepté Jésus dans ma vie, il sera choqué. Vraiment, parce que lorsque les gens me regardaient, pour eux, ce n'était pas possible. Parce que j'étais vraiment à fond dans le monde. Il a dit non. Est-ce que tu es sérieux que tu l'as accepté? J'ai dit, frère, je l'ai accepté. Et il va me présenter un frère, un soldat, Alain. Et je vais faire la rencontre d'Alain. Je dis que je vais faire la rencontre du frère Alain et je vais échanger avec le frère. Et le frère me dit qu'à cette époque-là, en 2016, il va rester avec un frère qui s'appelait Steve, si je ne me... Bon, j'ai peut-être oublié le prénom, mais il va me dire que ce frère lui a clairement dit que lui voulait mettre pause avec le Seigneur. Que lui, voilà, il mettait pause. Et donc, le frère Alain était resté seul. Et lui, de son côté, il regardait l'œuvre et... Voilà, il se posait des questions comme, ah, je suis resté seul, mais comment je vais faire? Mais comme c'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur, voilà, continue son œuvre. Le Seigneur a commencé, voilà, à susciter des personnes. On a dit que cette année 2016, c'était une année vraiment extraordinaire. Juste pour dire que l'œuvre du lycée national Léomba, vraiment, est une œuvre, voilà, suscitée par le Seigneur lui-même. Pourquoi je veux le dire? Parce que cette année aussi, nous avons eu, voilà, une vague de personnes, voilà, une vague, voilà,
des frères qui revenaient du lycée d'excellence. Voilà que le Seigneur va permettre qu'ils viennent ici. Voilà, et par la grâce du Seigneur, l'œuvre va continuer. Le frère va me présenter à ses jeunes frères, à ses jeunes sœurs. Vraiment, ce qui m'a impacté avec ces jeunes, parce que voilà, on a souvent vu des jeunes qui se disent, voilà, disciples du maître. Parce qu'aujourd'hui, chrétien, tout le monde porte cette veste. J'aimerais vraiment parler de disciples. Parce que la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà, et quand on parle de disciple, c'est quelqu'un qui marche selon l'instruction qu'il a reçue de son maître. Et là, voilà, il va me présenter à ses jeunes frères, ses jeunes sœurs. Pour moi, quelque chose va me marquer avec ces jeunes. C'est vrai qu'ils n'étaient pas trop dans des théories extraordinaires, parler des dons spirituels et toutes ces choses, non. Mais ils avaient quelque chose d'extraordinaire. Ils dégageaient quelque chose. C'est que lorsque je suis même rentré dans la salle de classe, le frère Alain n'avait pas besoin de me dire que telle personne ou telle personne craint le Seigneur. C'est que lorsqu'on les regardait, en fait, ça se reflétait. Lorsqu'il me disait c'est tel, en fait, c'est comme si le Seigneur m'avait déjà montré d'avance des personnes, voilà ses fils. Voilà, il m'a montré ces jeunes, voilà, simples, vraiment craignant le Seigneur. Et lorsque j'ai vu cela, ça m'a encore boosté à suivre le Seigneur. Ça m'a encore vraiment... Oh, ça m'a montré que c'est possible d'être jeune et de servir le Seigneur. C'est possible d'être jeune, de se mettre à part, de se sanctifier. Donc, ah, c'est pas si fort. C'est pas si fort quand même poser la question parce qu'il avait un divorce. Okay. Mets-toi à droite. S'il fallait. J'ai vu. S'il fallait, là où on était. S'il fallait décrire l'œuvre du lycée, que diriez-vous? Comment la caractériser? Je m'en dis que cette œuvre, c'est une œuvre qui a encouragé et qui encourage toujours les jeunes, voilà, à servir le Seigneur. C'est une œuvre qui enlève ce voie de l'impossible. Pourquoi je parle de cela? C'est pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui pensent que c'est impossible d'être jeune et de servir le Seigneur. Que c'est impossible d'être jeune et de marcher dans la crainte du Seigneur. Vraiment, c'est une œuvre qui nous a énormément encouragés. C'est une œuvre qui nous a énormément, vraiment bénis. Vraiment que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Même plus ça. Ouais, c'est bon. La propagation de l'évangile, comment se faisait-elle? La vie et la soif de ces jeunes des bons. Juste la propagation de l'évangile. Parce que tu as répondu. Attends. 2016. Et lorsque nous avions reçu la parole, lorsque nous avons été affranchis par le Seigneur, il y avait un zèle pas possible qui nous animait. Et nous cherchions vraiment à annoncer l'évangile d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je peux dire partout dans le lycée, où on voyait des jeunes, voilà, on s'arrêtait. Parfois, lorsqu'on marchait, on peut se mettre à marcher. Le Seigneur nous mettait des paroles dans le cœur. Parfois, on pouvait résister. Mais moi, le Seigneur, voilà, il permettait que nous annoncions l'évangile. On peut parler de dans les salles de permanence, là au bâtiment H. Là, on annonçait l'évangile dans les salles de classe. Je me rappelle qu'un jour, on avait tellement ce désir, voilà, d'avoir avec des frères des frères qui étaient en TC et en TD. Voilà, on avait organisé une campagne d'évangélisation. Voilà, où on partait deux par deux, on faisait des groupes. Voilà, on partait annoncer l'évangile, voilà, du Seigneur Yeshua. Voilà, et après quelques temps, voilà, nous étions allés voir une dame du service social, voilà, qu'on voulait annoncer l'évangile dans des salles de classe. Et comme au lycée, on peut dire que c'est interdit, elle nous a proposé d'aller faire une campagne de sensibilisation, voilà, d'aller parler de grossesse précoce, voilà, d'aller parler de la triche et toutes ces choses. Et tellement nous avions un zèle excessif. Je me rappelle lorsqu'on rentrait dans les salles de classe,
Au lieu de parler de grossesse précoce et toutes ces choses, les grossesses précoces et toutes ces choses, on annonçait clairement la parole. On annonçait clairement l'évangile. Je me rappelle que dans une salle de classe, on était rentré. Voilà, les frères commençaient à parler. Comme vraiment, j'étais du nouveau converti. Vraiment, je manquais vraiment beaucoup de sagesse. Vraiment, les frères, voilà, s'efforçaient à sensibiliser. Et lorsqu'on me donnait la parole, moi, vraiment, je commençais à prêcher l'évangile comme ça. Et la dame du service social, voilà, elle me disait non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça et tout. Et je me rappelle que le même jour que je finissais d'annoncer l'évangile, voilà, j'avais reçu, je peux parler ainsi, une flèche. Voilà, tout de suite, j'étais tombé, j'étais sorti de la salle, j'étais tombé malade et les frères priaient pour moi et voilà, le Seigneur m'a restauré. Voilà, nous partions de salle en salle, voilà, pour parler du Seigneur. Voilà, dans des bus, voilà, partout, quoi. On annonçait l'évangile et le Seigneur se glorifie. Comment le réveil a fait ma semaine? Bon, juste nous expliquer un peu comment ça s'est manifesté, hein. Comment ça s'est manifesté dans les salles de classe avec les professeurs, avec l'administration. Donc voilà. Et pendant ce moment, il y avait vraiment une vague de conversion, une vague vraiment où il y avait des personnes qui se disaient chrétiennes, qui partaient à l'église tous les dimanches. Voilà, mais qui ne vivait pas dans la sanctification, des personnes que le Seigneur a ramenées sur le chemin. Et le Seigneur, vraiment, pendant cette période-là, vraiment, nous étions tellement nombreux, le Seigneur a tellement touché des personnes. Et je me rappelle que pendant ces moments d'évangélisation, il arrivait parfois que des autorités du lycée, voilà, du CS, parce qu'on partait jusqu'au CS, au CS2, voilà, nous empêchait de le faire. Mais qu'est-ce que nous faisions parfois? Les frères parlent et d'autres, voilà, montaient comme une garde. Quand les autorités arrivent, ils nous faisaient signe. Quand ils arrivent, et là, parfois, voilà. Mais il y a des moments où nous attrapait, on prenait nos noms, nos cartes, voilà, on voulait nous exclure et tout ça. Et par la grâce du Seigneur, nous avons continué, voilà, à prêcher l'évangile. Et dans nos salles de classe, je bénis le Seigneur. Parce qu'on a appris que lorsque nous sommes dans une salle de classe, l'acte parle plus que la parole. Je ne peux pas parler du Seigneur, voilà, je ne peux pas parler de la sanctification et ne pas vivre cela dans nos salles de classe et ne pas vivre cela dans la salle de classe. Et ce qui a vraiment impacté mon camarade, voilà, je vais parler de mon frère Van, parce que c'est une conversion qui m'a beaucoup bouleversé. Comme c'était d'abord mon ami dans le monde, et il a vu ce que le maître a fait dans ma vie, et voyant ce que le Seigneur a fait, il a été touché. Et vraiment, il y a vraiment eu une vague de conversion dans la salle de classe, vraiment dans le lycée, vraiment, il y a vraiment eu cette vague-là. Et qu'est-ce que le frère me disait? Il me disait que ce n'est pas le fait que l'on parle qui a fait en sorte qu'il puisse changer, mais c'est notre manière de vivre. Parce que ça l'impactait qu'à un moment donné, bon, le Seigneur a permis qu'on ne triche plus. Voilà, on ne trichait plus. Le langage avait changé. Vraiment, tout avait changé au-delà de nous. Tout avait vraiment changé. Et ce qui a vraiment impacté les jeunes, vraiment, on recevait des témoignages de personnes qui nous disaient que parfois on arrive là le matin, nous sommes tristes, mais lorsqu'on arrive à côté de vous, il y a comme une joie qui naît dans nos cœurs. Et moi particulièrement, il y a un prof qui m'a beaucoup marqué. Un prof, bon, je ne sais pas, je ne veux pas vraiment affirmer qu'il est dans les choses compliquées, mais vraiment, c'est une personne qui a toujours voulu me faire douter de l'amour du Seigneur. Mais par la grâce du Seigneur, voilà, je savais celui que j'avais rencontré. Dans mes études, vraiment, je bénis le Seigneur. Ah, Yeshua. On m'a dit que ce domaine, c'est un domaine où le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup, vraiment façonné. Dit que depuis dans le monde,
Nous étions des experts en triche. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, il faut que l'on puisse se détacher de toutes ces choses. Et là, nous sommes obligés d'être face, voilà, à notre véritable niveau. Et comme notre Elohim est tellement bon, voilà, vraiment, est tellement magnifique, voilà, déjà dit que j'ai accepté, voilà, c'est en seconde, et au début, je n'arrivais pas à faire vraiment l'équilibre, le Seigneur, l'école, non, je passais vraiment beaucoup de temps, vraiment, passais trop de temps, moi, dans la méditation, voilà, dans le jeûne, dans la prière, oubliant les études. Moi, je manquais beaucoup de sérieux aussi en ce qui concerne à cette étape-là, tellement le zèle était fort que je n'arrivais pas vraiment à mettre l'équilibre, vraiment à mettre l'équilibre en école, voilà. Et le Seigneur, c'était vraiment, je peux dire, c'était un peu plus fort que moi. Et dit que dans ce domaine des études, c'est vraiment un témoignage. Voilà, c'est que, voilà, je n'arrivais pas à mettre l'équilibre, mais par la grâce du Seigneur, voilà, quand il fallait étudier, je m'efforçais quand même. Mais vraiment, j'ai rencontré beaucoup de difficultés en ce qui concerne les études. C'est comme pouvait dire un frère qui l'a fait, voilà. J'ai écouté un frère qui parlait de ça. Moi, si je peux emprunter ces paroles, que j'ai fait ma licence en seconde, ça dit que j'ai fait trois fois la seconde. Vraiment, trois fois la seconde, c'était vraiment éprouvant aussi. Parce que moi, je me posais des questions. Mais comment c'est possible, voilà, d'être disciple de Yeshua, d'être enfant d'Elohim et de tripler une classe. Lorsque j'ai redoublé, bon là, c'était encore un peu compréhensible. Je pouvais encore comprendre, voilà, ici redoublant. Et ce qui était terrible dans ça, c'est que même notre partie de mal en pire. C'est que malgré que je suis disciple du Seigneur Yeshua, voilà, voilà, même notre descendait. Redoublant de mon état, voilà, j'avais des moyens de vie, vraiment des moyens vraiment, vraiment, je peux dire, des moyens bizarres. Et dans ce domaine-là, j'ai vraiment failli abandonner la marche. Vraiment, j'ai failli abandonner la marche parce que je n'arrivais pas à comprendre. Ce n'est pas que je voulais que les frères restent avec moi. Non. Mais je voulais avancer avec les autres. Donc, je voulais avancer avec mes frères. Voilà, je me rappelle, c'est un jour qui m'a beaucoup marqué. J'étais à ma troisième année en seconde. Et les frères avec qui, voilà, les frères avec qui j'avais accepté le Seigneur en seconde, lorsqu'on arrive, voilà, comme chaque année, voilà, on fait le point, voilà, tel dit, je suis en terminale. Et moi, quand j'arrive, je reviens, je suis en seconde. Et ça m'a beaucoup, vraiment, ça a beaucoup brisé mon cœur. Vraiment, ça a beaucoup brisé mon cœur. Mais dans ces moments-là, la Bible dit que notre maître, Yeshua Mashiach, voilà, il est le consolateur, voilà, il est celui qui nous console. Et le Seigneur m'avait donné une parole, voilà, il m'avait dit, voilà, je serai toujours avec toi et tout. Le Seigneur m'a vraiment encouragé et je bénis le Seigneur. Et voilà, pour ma troisième année en seconde, voilà, je suis passé en première, après la première, je suis passé en terminale. Et voilà, grâce au Seigneur, j'ai eu mon bac, vraiment que le Seigneur soit béni. Moi, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Et moi, j'aimerais dire à tous ces jeunes qui pensent que c'est impossible d'être jeune et de servir le Seigneur. Et moi, je pense que la tranche d'âge qu'il faut servir le Seigneur, c'est depuis notre jeunesse. Parce que le Seigneur, il se découvre. Le Seigneur est tellement grand, il est tellement, même grand, c'est petit, mais vraiment, il est grand que vraiment, qu'en tant que jeune, voilà, nous ne devons pas rater cette opportunité, voilà, de dire, voilà, de servir le Seigneur. Parce qu'on écoute beaucoup de ces jeunes dire, voilà, on va servir le Seigneur lorsqu'on sera vieux, voilà, lorsqu'on va finir de faire notre vie. Mais vraiment, juste interpeller ces jeunes-là encore, voilà, juste interpeller encore la jeunesse, voilà, dire que cette vie que nous avons aujourd'hui, elle ne nous appartient pas. La preuve en est que lorsque nous respirons, nous ne faisons aucun effort. De cette même manière, ce souffle partira sans faire aucun effort. Voilà, juste dire que voilà, c'est possible d'être jeune et de servir le Seigneur. C'est possible d'être jeune, de se consacrer. C'est possible d'être jeune
voilà, d'expérimenter le Seigneur. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Non, c'est possible. Comment c'est possible? Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, voilà, que le Seigneur soit élevé, bien qu'il ait déjà élevé. Comment soyons encouragés, voilà. Voilà, soyons encouragés, persévérants. Voilà, le soir, le maître revient. Alléluia. Amen. C'est bon.